nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce soir, non seulement évidemment pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, mais aussi parce que nous célébrons ce soir de manière solennelle le 400e anniversaire de la fondation de l'ordre de la Visitation par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, dont nous avons la joie de vénérer les reliques ce soir. Et je suis heureux que les sœurs des deux monastères de la Visitation de Paris aient pu quitter leur couvent pour venir participer à cette Eucharistie. Vous ne les voyez pas parce qu'elles sont dans le chœur derrière, où elles reconstituent d'une certaine façon le dispositif de leur propre couvent, mais elles sont en communion avec nous, et je pense que les sœurs qui n'ont pas pu se déplacer en raison de leur état de santé doivent être elles aussi en communion avec nous grâce à Catéo, et je passe la parole à la mère qui va nous présenter cette communauté. Monsieur le cardinal, c'est avec une grande joie que nous sommes réunis en cette cathédrale grâce à votre accueil chaleureux pour célébrer les 400 ans de la fondation de notre ordre par nos saints fondateurs. C'est de tout cœur que nous vous remercions et implorons la bénédiction de nos saints fondateurs pour la fécondité de votre ministère pastoral. Merci. Voilà, saint François de Sales a été non seulement le fondateur de l'ordre de la Visitation, a été aussi un grand évêque et un grand maître spirituel qui a aidé les chrétiens de son temps à trouver leur chemin à travers la vie de laïcs complètement engagés dans leur tâche et dans leur mission de parents et leur tâche personnel dans la société, et il a été l'un de ceux qui ont aidé à vivre la situation conflictuelle de l'être chrétien dans le monde, non pas sur le mode de la culpabilité et de la tension, mais sur le mode de la miséricorde et de la douceur. Nous le prions pour qu'il conduise nos cœurs à accueillir la miséricorde du Seigneur en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Steve.
sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Voici le fruit des fruits de justice et de paix. Que résonne la mer et sa richesse, ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Voici venir des jours de justice et de paix. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit. Mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Alors Jésus ajouta : on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à mesure que nous approchons du terme de l'année liturgique, l'Église nous invite à méditer et à prier sur le retour du Christ, sur la fin des temps, sur ce jour dont le prophète Malachie nous annonce qu'il va venir brûlant comme une fournaise, et qu'il consumera l'impiété et l'arrogance de ceux qui ne croient pas au Messie, et en même temps, à vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Si bien que ce jour où va se manifester glorieusement le retour du Christ est bien un jour de jugement, mais pas à la manière dont nous imaginons le jugement d'un tribunal. C'est un jour de jugement parce qu'il va dévoiler pleinement la vérité de nos vies et la vérité de l'histoire du monde. Il fera apparaître ce qui habite le cœur des hommes, et il manifestera ainsi ceux qui ont été fidèles à la voix de Dieu, perçus dans leur conscience ou reçus par la prédication et l'annonce de l'Évangile, et ceux qui auront été infidèles à cette voix de Dieu, soit reçus dans leur conscience, soit entendus par la prédication de l'Église. Mais ce jour,
qui sera un jour de grand bouleversement, les disciples imaginent que ce sera ce que Jésus annonce quand il dit que le temple sera détruit. Car évidemment, pour Israël, et ses disciples font partie d'Israël, la magnificence du temple de Jérusalem, même si elle n'est qu'une pâle évocation de l'idée que l'on se faisait du premier temple de Salomon, est un signe de la fidélité de Dieu à son alliance, est un signe de la présence de Dieu à son peuple. Et si on annonce que ce temple va être détruit, est-ce que ça n'est pas la fin d'un monde qu'on annonce? Est-ce que ça n'est pas l'écroulement de tout un système cohérent dans lequel la communion entre Dieu et son peuple était signifiée par la présence du Très-Haut dans le Saint des Saints? Et pourtant, ce ne sera pas encore le dernier signe, bien que la destruction du Temple ait bien correspondu aussi pour le peuple d'Israël à une période d'éclatement et de diaspora particulièrement forte, ce ne sera pas le dernier signe. Même pour les disciples, dont certains, nous en avons la trace dans les épîtres de Paul, imaginaient que le retour du Christ serait très prochain, et qu'ils étaient la dernière génération, et qui ont dû découvrir peu à peu, à mesure que les années s'écoulaient, que le temps dernier, car c'est bien le dernier temps, celui qui prépare le retour du Christ, ce dernier temps ne serait pas un temps bref, mais qu'il risquait de durer. Et il a si bien duré que nous y sommes encore, et pour un temps que nous ne connaissons pas. Donc la première caractéristique de ce jour du Seigneur, c'est que nous ne savons pas quand il surviendra. Nous ne savons pas quand il surviendra dans notre propre vie, pour chacun et chacune d'entre nous, à quel moment serons-nous invités de façon pressante et sans recours à quitter la scène et à rejoindre le royaume de Dieu. Ce soir, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, nous ne le savons pas. Et quand s'arrêtera le fil de l'histoire au retour du Christ, quand tout sera consommé, nous ne le savons pas. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit « Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de prédicateurs autopropulsés qui viennent vous annoncer la date prochaine, qu'ils corrigent à mesure que, une fois qu'on y est arrivé et qu'il ne s'est rien passé, il trouve une nouvelle révélation qui nous annonce que ce sera pour dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais ne nous laissons pas égarer par ces prédicateurs de l'Apocalypse, car la prédication du Christ ne vise pas à nous tenir en haleine sur des supputations pour savoir quand il reviendra, mais au contraire, à inciter notre vigilance à s'exercer sur le temps que nous vivons. Non pas sur le temps que nous ne connaissons pas et sur l'avenir qui nous échappe, mais sur ce temps présent dans lequel nous sommes immergés entre l'ascension du Christ et son retour glorieux. Comment est-ce qu'il faut vivre ce temps? Comment pouvons-nous vivre ce temps? Et comment est-ce que nous pouvons discerner des signes qui nous indiquent ou qui nous appellent à vivre d'une certaine manière?
L'Évangile en évoque un certain nombre dont nous connaissons très bien, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous connaissons très bien la réalisation actuelle. Il y aura des guerres entre les nations, il y a des guerres entre les nations, il y aura des catastrophes, il y a des catastrophes, il y aura des épidémies, il y a des épidémies. Comment est-ce que nous interprétons ça? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou bien est-ce que ce sont simplement des événements qui marquent d'une façon particulière la précarité de notre existence dans ce temps et qui orientent notre regard vers l'épreuve de vérité? Car ces événements, avec le message de souffrance et de mort dont ils sont porteurs, viennent provoquer en nous la foi. Peut-être, quand je dis peut-être, c'est un euphémisme, peut-être rêvons-nous quelquefois d'un univers harmonieux où tout le monde s'entendrait bien, où la religion catholique serait reconnue comme universelle, où l'Évangile serait accueilli avec reconnaissance et avec joie, et où tout le monde s'entendrait sur les modalités de l'existence. Comme personne parmi nous n'a jamais connu ce temps-là, nous avons tendance à le reconstituer dans le passé en nous imaginant qu'il y a eu des époques où cette convergence, cette connivence de la société avec la foi et l'Évangile assurait l'harmonie de l'existence. Je voudrais bien savoir où, quand et comment. En tout cas, dès la première génération apostolique, nous en avons la trace dans le livre des Actes des Apôtres, la foi au Christ et la fidélité au Christ n'ont pas déclenché l'enthousiasme des spectateurs, mais plutôt leur colère. Et le diacre Étienne a été le premier à subir le martyre par fidélité à Jésus. Et tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui, il a été suivi par une cohorte ininterrompue de martyrs. Jusqu'aujourd'hui où il y a dans le monde des hommes et des femmes qui sont mis à mort par haine de la foi ou pour punir leur fidélité au Christ. C'est dire que ce que nous percevons de violence et de conflictualité dans la vie sociale n'est pas simplement une anomalie, c'est plutôt une sorte de spectacle visuel du combat auquel nous sommes confrontés par la parole de Dieu elle-même. Et c'est dans ce contexte de contestation ou d'indifférence, de combat et de violence que nous sommes invités à être fidèles au Christ. C'est à travers non seulement les guerres entre les nations, non seulement les catastrophes naturelles, non seulement les épidémies, mais encore à travers l'agressivité et parfois la violence qui se manifeste à l'égard des disciples qui seront traduits devant les tribunaux, devant les rois et les gouverneurs à cause de son nom, et quel est le sens que Jésus donne à cette adversité et à ce combat, ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Ce ne sera pas pour vous l'occasion de vous désoler et de regretter les temps heureux où les chrétiens étaient censés être adulés par leurs voisins. Ce sera pour vous le temps du témoignage
Eh bien, voilà, nous sommes dans le temps du témoignage. Chacun et chacune d'entre nous, s'il se décide pour suivre le Christ et pour essayer de vivre comme un de ses disciples, est soumis soit à l'indifférence, soit à la moquerie, soit à l'agressivité. En tout cas, il est soumis à un jugement. Mais de ce jugement, nous ne craignons pas parce que ce n'est pas à nous de nous défendre, comme s'il s'agissait de défendre notre réputation, notre intelligence et notre bon sens. C'est le Christ lui-même qui mettra un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Ce témoignage, ce n'est pas mon témoignage, ce n'est pas notre témoignage, c'est le témoignage que le Christ nous rend lui-même à son Père par la puissance de l'Esprit qui nous est donné. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Voilà une clé d'interprétation du chemin chaotique que les disciples du Christ suivent à travers les pays et à travers les siècles, du chemin chaotique que chacune et chacun d'entre nous parcourt au long de son existence, non pas comme une sorte d'agression qui nous viserait personnellement, mais comme la manifestation de la résistance de l'esprit mauvais par rapport à l'Évangile. Aussi, frères et sœurs, nous vivons ce temps, ce dernier temps, dans l'attente du retour du Christ. Nous le vivons non pas dans la susceptibilité, non pas dans la terreur, nous le vivons dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en cette parole du Christ. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Si Dieu est pour nous, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui sera contre nous? C'est cette victoire de Dieu à laquelle nous participons, qui a été manifestée de façon exceptionnelle dans la résurrection du Christ et qui continue de transformer les œuvres de mort de ce monde en promesses de vie. Aussi, avec confiance, nous attendons dans le calme, comme nous y invite saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, le calme qui n'est pas l'oisiveté, mais qui est la sérénité de celui qui travaille jour après jour à l'œuvre du Père. Nous attendons dans le calme que le Christ viennent à nouveau, et c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotens et Filius,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, permets que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Denis, saint François de Sales, et sainte Jeanne de Chantal et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et... Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, mardi 16 novembre à 19h15, messe pour les étudiants d'Île-de-France, présidée par notre archevêque. Ça veut dire que ce jour-là, il n'y aura pas de vêpres ni de messe à 18h15. D'autre part, jeudi 18 novembre, adoration du Saint-Sacrement à 19h, et dimanche prochain, 21 novembre, attention à quelques changements d'horaire. Il n'y aura pas d'audition d'orgue en raison de la divine liturgie selon le rite byzantin qui sera célébrée ici à 15h30. Il n'y aura donc pas de vêpres non plus à 17h45. Et le soir à 18h30, Monseigneur Namias, évêque auxiliaire de Paris, présidera la messe avec les confirmés de l'an passé. Ensuite, je vous invite vivement à lire l'appel poignant des évêques d'Irak à leurs frères de France. C'est une occasion pour nous de renouveler vraiment nos intentions de prière et notre générosité. Par ailleurs, l'opération Chevet Notre-Dame, qui consiste à donner un coup de main à l'ordre de Malte pour donner des petits déjeuners chaque dimanche matin au jardin du Chevet, a repris. Et donc, si vous pouvez prêter main forte, c'est le cas de le dire, vous serez les bienvenus. Un petit livre sur la prière vient de sortir. Il est commis par notre archevêque. Vous pouvez donc découvrir ce nouveau livre du cardinal André 23. C'est aux éditions Pocket. Et comme intention de prière, précisément, nous pourrons porter une fois de plus notre archevêque qui va partir à Rome pour faire des nouveaux cardinaux avec le Saint-Père. Mais surtout, il vient d'être élu président de la conférence épiscopale pour encore 3 ans. Nous pouvons donc renouveler et redoubler de prières à toutes ces intentions. Nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.